Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et justement, cette semaine, et oui, notre invitée, Gisèle qui ? Mais Gisèle Soares, bon comédienne dia. Et chroniqueuse. Oh. C'est l'émission sous le soleil du Brésil. Bah oui, c'est bientôt l'été déjà, je suis un petit top. Ouais. Je me sens tellement en plein été en France. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait penser grave au Brésil. C'est ça, au Brésil. Et si on parlait du Brésil? On a une autre petite habitude, on s'écoute toujours un petit souvenir, c'est l'audio clin d'œil avec Béric. Quelques dossiers pour démarrer l'émission. Alors Gisèle, vous avez tout fait. Vous avez touché à tous les métiers, actrice, chroniqueuse, animatrice. Aujourd'hui, vous vous retrouvez même sur scène en tant que danseuse. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que vous avez également été chanteuse. Ouais, j'aime bien chanter. Je peux chanter un petit peu là? Ah bah, on va s'écouter justement. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É la menina que vem, que passa. Voilà. Alors, chanteuse. Et à l'époque déjà, on sentait déjà la samba qui sommeillait en vous. C'est plutôt pas mal, c'est un bon souvenir. J'avais ça, quand même. Une petite voix d'enfant quand même. Hein. Ah, c'était tout mon début en France. C'est après le tout début. Après le d'attentation. Dis. Non. Non mais quelle est la clé justement pour une jeune femme, pour une actrice quand on a fait des émissions de télé-réalité pour pas être étiquetée comme ancienne candidate de télé-réalité? Alors, ça va pas être ton cas. Ok, alors je t'explique. Déjà, quand j'ai fait la télé-réalité, c'est tout au début de ma carrière. Ouais. C'était tout au début de la télé-réalité. Mmh. C'est comme moi, Karine Ferrari, on a fait aussi, elle a fait le bachelor, ouais. C'était la même époque. Mmh. Alors après, quand t'as derrière une structure de contenu, tu peux avancer dans ta carrière. Mmh. Si t'as rien, t'es oublié. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est vrai que nous, on a commencé au début et voilà, on savait ce qu'on voulait. Et là, on est juste maintenant, elle fait la télé, moi aussi. Mmh. Mais si j'allais faire maintenant... C'est fini pour moi. Je reste à la maison et c'est tout. Après, au Brésil, c'est pas la même chose. Au Brésil, la télé-réalité, c'est quelque chose qui ouvre les portes. Il n'y a pas du tout de préconcept. Ouais, ouais. C'est comme aux États-Unis. On n'est pas dans des cases. Quoi. On n'a pas de cases. En France, il y a des codes, tu vois. Ouais. C'est vrai que j'ai de la chance d'être étrangère et j'ai pas vraiment de code. De dire, ouais, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Je pense qu'un artiste, aujourd'hui, il doit tout faire. Moi, si je travaille à la radio, je dois faire mes chroniques, je dois pas payer quelqu'un pour faire. Tu vois, il faut qu'on soit. Ça, j'adore cette mentalité, vraiment. Bah oui, parce que c'est ça qui va nous ramener c'est à. Notre à travail. Des... Exactement, ouais. Parce que tu vas pas payer quelqu'un, nanana. Ouais. Et c'est vrai que. À ma carrière en France, tout ce que je fais, si je vois un concept ou si je fais le théâtre, tout ça, je donnais quelque chose. S'il m'a pris, c'est parce que je faisais partie du personnage. Ouais. Mais il va pas penser au début de ma carrière parce que ça fait tellement longtemps. Mes casseroles, c'est vous qui sortez aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on te retrouve depuis le 14 mai, c'est dans le spectacle du cabaret parisien Pau Brasil, dans le 17e arrondissement de Paris. Je m'éclate tellement. Et ouais, mais t'es un autre petit bébé. Ouais, qu'on retrouve sur le site du magazine Public. Hein. Ça, c'est une web émission qui s'appelle Que Beleza. Tu sais ce que ça veut dire? Quelle beauté. Oh, bravo. Révisé. C'est même pas mis entre parenthèses sur ma fiche. Ah oui, c'est vrai. On sent que cette semaine, il était très motivé par connaître l'attraction. Le mec. En tout cas, tu partages tout ton quotidien fitness, beauté, bien-être. Et avec ces vidéos, tout le monde va être au top pour cet été. Alors, comment déjà tu choisis les thèmes de ces émissions? Parce que c'est vrai que tu proposes... est-ce que tu proposes plusieurs techniques maison ou alors tu rencontres différents coachs et tu choisis justement les meilleures méthodes pour les femmes? Comment s'organise ton travail? Déjà, mon pays, il est très, très riche en question de comment je peux dire, des trucs D, ça veut dire des trucs qui n'est pas très cher, qu'on peut trouver facilement. Et en fait... Système D. Système D, merci. Et c'est pour ça que j'ai eu cette principe qui vient aussi de Casa VIP. Genre, Casa VIP, j'ai partagé la passion du foot avec des célébrités. Ouais. Là, je partage ma passion, genre des questions que les gens me posent, comment je mange, tout ça. Je suis comme toutes les filles, j'ai de la cellulite, je grossis, je maigris. Et en fait, j'ai créé... j'ai créé ce concept pour partager mon quotidien. En fait, à la base, c'était avec des célébrités, mais Lagardère, qui je travaille avec Public, il préférait que je partage mon quotidien. Est-ce qu'on a un petit air d'ailleurs du Brésil en régie?
Est-ce qu'on en a un petite ambiance asie, un pro, la totale. Mais oui. Qu'est-ce qu'on peut, Je sais pas. Non, ça. Así você me mata. Ai, seu te pego. Alors, attends, est-ce qu'on en a une? On a les lusophones en folie, là. Pica o samba do Allez, on danse un petit peu, là. C'est l'ambiance. Ça, c'est la fin, ça. Eh oui, eh oui. Samba do Brasil. Eh non. Il y a Kevin, il fait la danse de l'épaule. Bon, en tout cas, Gisèle Suarez. Ça va péter aujourd'hui. Ça va péter.